le prince Albert de Monaco et la princesse Charlène de Monaco ont été au centre de nombreuses rumeurs et spéculations concernant leur vie conjugale au fil des années. Malgré les challenges et les épreuves auxquelles ils ont fait face, le couple princier a su démontrer une résilience exceptionnelle et a continué à afficher une union solide et épanouissante. Depuis plusieurs années, le public a été témoin de rumeurs persistantes suggérant des tensions au sein du couple princier. Cependant, la réalité de leur relation semble être bien différente de la perception médiatique. Le prince Albert et la princesse Charlène ont démontré à maintes reprises leur engagement l'un envers l'autre et envers leur famille, notamment en élevant avec amour et dévouement leurs jumeaux, le prince Jacques et la princesse Gabriella de Monaco. Malgré les défis auxquels ils ont été confrontés, le couple princier a toujours su préserver leur vie privée, tout en continuant à remplir leurs devoirs princiers avec dignité et engagement envers la principauté de Monaco. Leur dernière apparition commune en janvier dernier a suscité l'admiration du public, non seulement en raison de leur élégance, mais aussi en raison de la complicité évidente qu'ils ont affichée. Cependant, ce samedi 24 février, le prince Albert et la princesse Charlène ont une fois de plus uni leurs forces pour une noble cause à Courchevel. Leur participation à la seconde édition d'un gala de charité au profit de la Fondation Princesse Charlène de Monaco a été le reflet de leur engagement commun envers des œuvres philanthropiques. Organisé par le président du ski club de Courchevel, l'événement a permis au couple princier de montrer non seulement leur soutien à des causes sociales importantes, mais aussi leur unité et leur solidarité en tant que couple. Lors de cette soirée, Albert et Charlène ont rayonné de bonheur et ont partagé des moments de complicité qui ont captivé l'attention de tous les participants. Leur présence conjointe à des événements de bienfaisance souligne l'importance qu'ils accordent à la philanthropie et à la contribution positive envers la société. Le bonheur que le couple princier partage avec leurs enfants, le prince Jacques et la princesse Gabriella, est évident à chaque apparition publique. Les jumeaux sont le joyau de leur vie, et le couple royal s'efforce de créer un environnement familial harmonieux, malgré les défis auxquels ils peuvent être confrontés. La Fondation Princesse Charlène de Monaco, qui porte le nom de la princesse, témoigne de leur engagement commun envers des causes humanitaires. Leur participation active à des événements caritatifs montre que le couple princier utilise sa position pour faire une différence positive dans le monde. En dépit des spéculations et des rumeurs persistantes, le prince Albert et la princesse Charlène de Monaco continuent d'affirmer leur amour et leur engagement mutuel. Leur capacité à surmonter les épreuves et à rester unis est un exemple inspirant pour tous. Le public peut être assuré que derrière les titres sensationnels se trouve un couple résilient, aimant et déterminé à construire un avenir heureux aux côtés de leurs enfants. Ainsi, en attendant vous revoir dans nos prochaines vidéos pour plus d'informations et d'actualités sur la famille princière de Monaco, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez du magnifique couple princier de Monaco. Merci une fois de plus et comme toujours, portez-vous bien.